igor et grishka bogdanov-bonjour, vous bonjour. publiez un nouveau livre qui a pour titre le code secret de l'univers aux éditions albin michel. alors on a le sentiment euh, quand on prend ce livre et quand on en regarde en plus euh, la couverture euh, que on va tout savoir sur l'univers et on va tout savoir effectivement sur euh, ce que cache euh, l'univers et ce que cachent ces constellations qui sont autour de nous, qui nous entourent. Alors, pourquoi ce livre, tout d'abord C'est vraiment la première question que j'ai envie de vous poser, Igor. Avant de savoir ce qui se cache derrière les constellations et les milliards de galaxies, il faut savoir d'abord ce qui se cache derrière le code de votre carte bleue, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit environné de codes comme jamais dans l'histoire. Il y a bien sûr celui de votre téléphone portable, il y a celui de votre page Facebook, il y a celui de votre porte d'entrée, il y a même votre code génétique, Philippe, qui détermine toutes vos caractéristiques. La question, évidemment, qu'on s'est posée, c'est de savoir si, puisque les codes sont partout, est-ce qu'il ne serait pas également dans l'univers lui-même Est-ce qu'il n'y aurait pas à l'origine de l'univers un code secret Et alors Bien là, euh, hein, Grishka Eh bien, en fait, la matière, quand on observe finalement d'un point de vue de, du physicien la matière qui nous entoure, on voit. Et on est conduit à la conclusion que ce n'est pas la totalité de ce qui est. Derrière la matière, il y a autre chose. Il y a ce que Pythagore avait déjà entrevu dans une magnifique intuition il y a des nombres. Tout est nombre, avait dit Pythagore déjà il y a très longtemps, 2500 ans. Eh bien, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que ce code dont nous parlons dans, dans, le, dans, notre, dans notre livre à propos de l'univers, est-ce que ce code n'aurait pas une essence numérique. Et la réponse est oui. n'est pas nous d'ailleurs qui sommes seuls à le dire. Les mathématiciens le savent et le disent. Il y a des nombres sous toute chose. Et ces nombres qui sont à l'arrière de la matière, il faut comprendre qu'ils se réduisent à des éléments très simples, qui sont en quelque sorte les, les atomes numériques. Et ces atomes numériques, ce sont les nombres premiers. Les éléments de ce code sont pour nous des nombres... Qu'on appelle les nombres premiers. Qu'est-ce que c'est les nombres premiers On peut-être aussi le, ah ben le alors, rappeler à nos auditeurs. Oui, bien sûr. Alors, les, les nombres premiers, vous les avez tous utilisés à l'école, vous, Philippe, et puis tous ceux qui ont évidemment manipulé le calcul élémentaire. Ce sont des nombres qui sont indivisibles. C'est-à-dire ils ne sont divisibles que par eux-mêmes ou par un, ce qui revient au même. Je vous donne un exemple. Hein. Sur votre main gauche, vous avez déjà trois nombres premiers. Vous avez le nombre 2, vous avez le nombre 3 et vous avez le nombre 5, qui ne sont pas divisibles autrement que par eux-mêmes ou par un. Alors ces nombres premiers, ils sont extrêmement intéressants. Et en 1859, après bien d'autres mathématiciens, un immense esprit des mathématiques en Allemagne, en Basse-Saxe, il s'appelle Bernard Riemann, à l'université de Göttingen, la première du monde à l'époque, eh bien, il a découvert une clé qui a permis de comprendre que la distribution de ces nombres premiers dans l'océan des nombres entiers ne se fait pas au hasard. Et ça, c'est une découverte absolument fabuleuse. Est-ce que zéro est un nombre premier alors 0 est un nombre, alors évidemment on pourrait considérer que c'est un nombre, de, me, de même que 1 d'ailleurs, il a été longtemps considéré que 1 est un nombre premier puisqu'il n'est divisible que par lui-même et par 1. Donc, euh, mais pour des raisons qui sont mathématiques et assez profondes, ni 0 ni 1 ne sont considérés comme des nombres premiers. Alors d'ailleurs, ça m'amène Philippe, et vous avez une intuition absolument brillante, c'est que l'homme Mais comme toujours, le nombre 2 est un nombre premier, mais vous remarquez que c'est un nombre pair. Or, c'est le seul nombre dans l'infinité de tous les nombres qui soit à la fois un nombre pair et un nombre premier. Il n'y en a qu'un seul et c'est lui alors euh, une fois euh, qu'on qu qu dit ça est-ce que euh, ça peut permettre de nous mettre sur le, le chemin d'un code parce que euh, à la limite je, je pourrais dire euh, pourquoi pas aujourd'hui finalement euh, bah Igor bah euh, allons-y euh, c'est assez simple à trouver non alors euh, c'est pas si simple que ça mais en même temps si vous suivez le raisonnement qui est le nôtre vous verrez que au fond, c'est pas non plus si compliqué que ça. Pourquoi Parce que lorsque vous arrivez devant un immeuble et que vous cherchez à comprendre comment est-ce que cet immeuble a été construit, vous commencez évidemment euh, non pas par regarder l'immeuble euh, mais surtout par chercher les plans parce que vous savez très bien que ce sont les plans qui ont permis d'édifier l'immeuble. Vous savez très bien que les plans sont antérieurs à l'immeuble. Alors, si maintenant on veut comprendre euh, d'où vient euh, le code, eh bien il nous faut remonter avant la formation de l'univers lui-même. Avant que l'univers physique n'apparaisse au temps de Planck et à la longueur de Planck, il faut remonter avant le Big Bang. Et c'est là qu'on va trouver le code, c'est là qu'on va, pour reprendre la métaphore de l'immeuble, trouver les plans qui ont permis à l'univers de se développer de façon ordonnée. Oui, oui. alors le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant, euh, le, avant le Big Bang. Ce qui est certain, Philippe, c'est que... Puisque le Big Bang se produit, il y a 13 milliards et millions d'années, à un instant qu'on appelle l'instant de Planck, que les physiciens ont calculé, c'est une fraction de seconde très petite, 10 puissance moins 43 secondes. Mais ce n'est pas l'instant zéro Ce n'est pas l'instant zéro Donc à partir du moment où on sait que la matière, l'énergie, l'espace, le temps, jaillissent au moment du Big Bang, mais que ça ne se produit pas à l'instant zéro, ça veut dire que ça s'est produit avant, et qu'avant, il y avait autre chose Quelque chose qui n'est donc pas matériel, puisque la matière jaillit à l'instant de Planck au moment du Big Bang. Alors avant, il y avait autre chose. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Quand on dit la matière n'existe pas avant le Big Bang, on est contraint d'en conclure que ce qui existait, c'est quelque chose d'immatériel. Et cette chose immatérielle, on en fait l'expérience tous les jours, y compris dans ce studio, c'est ce qu'on appelle l'information. Mais, Mais est-ce reprendre... qu'il pourrait pas y avoir un code qui se soit formé, je dirais, par. par par, par nature, par, par, parce que euh, l'univers ne pouvait pas vivre autrement que de cette façon-là, c'est-à-dire euh, pour assurer sa stabilité. Mais non, mais non, mais non. Euh, Philippe, euh, cette question, vous allez le voir. Euh comment dire, n'a pas de solution euh, scientifique. Pourquoi Parce que ça voudrait dire que ce serait l'univers qui inventerait ses propres lois qui lui permettraient de se développer. Ce qui est tout, tout aussi euh, invraisemblable que si, pour reprendre la fameuse métaphore de l'immeuble, on imaginait que finalement c'est l'immeuble lui-même qui va inventer les plans qui lui permettent de se développer. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut qu'il y ait une information qui soit antérieure à euh, l'ordre à, à physique qui permet à un objet ou à un système de se développer. Regardez, moi je vais vous faire une expérience sur ce plateau. Je prends ce téléphone portable, je vais le, le soulever à 10 cm au-dessus de la table, puis je vais le lâcher. Il va tomber. Il mm -hmm. tombe pourquoi Parce qu'il obéit à la loi de la gravitation. Or, la question qui se pose est toute bête est-ce que c'est euh, le geste c'est-à-dire l'expérience par laquelle je vais euh, lâcher le téléphone portable qui va faire que finalement l'univers va inventer une loi à ce moment-là pour euh, se conformer à une prédiction qui consiste à dire qu'il va tomber, ou bien est-ce que la loi est antérieure Moi je vous dis tout simplement, la loi est antérieure à l'expérience que je vais faire. Ce n'est pas le téléphone portable qui invente la loi en tombant, c'est tout simplement que la loi était là avant et qui fait tomber le téléphone. C'est la même chose pour l'univers. L'information était là avant le Big Bang. Euh, un, un mot à ajouter parce que évidemment la démonstration est euh, euh, concluante. Elle est concluante. De, de même d'ailleurs, puisqu'on parlait de code, il euh, y a quelque chose de totalement abstrait, de numérique si vous voulez, qui précède la naissance physique d'un être vivant. Ce quelque chose, qu'est-ce que c'est C'est le code génétique, on en a parlé tout à l'heure, l'ADN. Votre ADN, Philippe, le mien, celui d'Igor, qui ressemble quand même, mais enfin, ils sont quand même distincts, et eh bien cet ADN, il existait avant même que nous naissions, avant que vous naissiez, Philippe, vous étiez une entité numérique, avant d'être une entité magnifiquement réussie, d'ailleurs, d'un point de vue physique. Quelle horreur. Voilà, mais vous étiez cela. Donc, de la même façon, de la même manière, l'univers était une entité numérique avant d'être une entité physique. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, Est-ce que votre livre, quand même, est un livre accessible parce que quand on, le, quand on le parcourt, il est euh, eh bien euh, parsemé d'un certain nombre d'équations Est-ce que n'importe qui peut entrer dans ces équations Mais bien euh, sûr, Philippe, mais oui, ces équations elles, elles sont aussi simples que 1 plus 1 égale 2. Oh, bah, tu parles, mais euh, euh, si, 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 absolument. Deux, euh, euh... La fonction zeta elle est très facilement compréhensible en réalité. On raconte une aventure qui est l'aventure justement de ce code qui a a été extrait, peu à peu, par toute une, une série, une famille, si je puis dire, de mathématiciens. Ça commence avec Gauss, avec, ça se poursuit avec colère ça, ça, ça se précise avec Riemann. Enfin, on raconte toutes ces aventures, Boltzmann, enfin, tous ces savants qui se sont donnés pour but de comprendre d'où venait l'univers, et s'il y avait un code à l'origine de l'univers. On raconte tout ça, c'est un peu comme un roman policier, au fond. Euh, sauf que l'énigme, bah, c'est une énigme à, à, à la hauteur de l'univers lui-même. Alors, à quoi pourrait bien ressembler ce code Alors, C'est quoi C'est une suite de chiffres Ou des équations, comme vous en proposez quelque chose Oui, alors, dans non, votre les, livre. les équations, ce sont les clés. Si vous voulez, si vous prenez votre téléphone portable, dont Igor parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des équations qui le décrivent et ce n'est pas si simple. Pourtant, c'est très simple de, de l'utiliser. De la même façon, notre livre, pour répondre à la première question que vous avez posée, il est tout simple. N'importe qui, et d'ailleurs, nous avons eu euh, il y a peu de temps le témoignage d'un petit garçon de 9 ans qui a dit J'ai découvert votre livre et ça m'a émerveillé. Donc, il avait 9 ans. Donc C'était abri. Euh... abri, 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 abri ben, à 9 ans, on peut, on peut euh, non seulement euh, découvrir celui, mais on peut aussi le oui, comprendre. Son arrière-grand-père était Einstein. Euh, <laughs> Et euh, peut-être qu'il est lui-même le grand-père de quelqu'un qui sera très intelligent. Mais cela étant, cela étant, euh, la question qui est soulevée, vous dites euh, à juste titre, mais alors euh, à quoi ressemble ce code Eh bien en fait, il se réduit à des choses très simples. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple, Philippe, que les nombres qui nous entourent Quand je compte sur mes doigts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eh bien j'ai les éléments de mon code. J'ai les éléments de ce fameux code secret. Puisque tout est nombre, et que la matière elle-même, les atomes que l'on pense être des entités ultimes, eh ben elles ne sont pas ultimes. Derrière, il y a quelque chose d'immatériel, et ces choses immatérielles, ce sont les nombres. Et parmi les nombres, prenons les plus simples. Les plus simples, ce sont les nombres premiers dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça, le code. Il est fait de nombres. Prenez le nombre pi, par exemple. Le nombre pi, alors c'est très intéressant. Quand vous réfléchissez au nombre pi, vous voyez d'abord apparaître un nombre, 3, 14, 15, 92, 65, 35, etc. Ce nombre-là, il est parfaitement exact. Il est réglé, si on peut dire. Et il est réglé à l'infini. Ça pose deux questions. D'abord, d'où est-ce qu'il vient Aucun des mathématiciens auxquels vous pourrez poser la question ne vous dira, euh, voilà, puis ça vient de là, pas du tout. Puis on ne peut pas en connaître l'origine, simplement. Si on se reporte à ce que nous disons, eh bien on va situer l'origine de Pi. Avant le Big Bang, Pi fait partie du cortège de lois qui ont permis à l'univers d'apparaître. Il est d'ailleurs fondamental dans ce cortège de lois. C'est une des grandes constantes numériques qui a permis à l'univers d'apparaître. Mais euh, d'après tout ce que vous dites, est-ce que ça implique euh, que finalement quelqu'un, un euh, Einstein quelconque, euh, Dieu euh, ou quelqu'un d'autre, euh, n'ait pas euh, mixé euh, tous ces codes pour essayer de faire euh, le grand code de l'univers que vous appelez, qui est encore secret, mais qui euh, ne le sera pas si longtemps euh, avec euh, des gens comme vous et un certain nombre d'autres. Oui, mais c'est une vraie question, Philippe, euh, que nous ne sommes pas les seuls, Gachka et moi, euh, à, à nous poser. Parce que, par exemple, il y a à peu près un demi-siècle, un prix Nobel euh, de physique, qui s'appelle Paul Dirac, qui est un physicien théoricien mondialement connu, s'est finalement demandé, mais on a l'impression, on a le sentiment, que l'univers obéit à une sorte de scénario, une sorte de, de trame qui, qui, qui va guider son développement, son histoire, son évolution. et à partir de là, il se dit, mais j'ai l'impression que finalement tout ça résulte de la pensée d'un mathématicien. et si dieu existe, a-t-il ajouté, eh bien pour moi, il est, c'est un mathématicien et c'est un mathématicien très, 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 il le dira trois fois, intelligent. C'est peut pas correspondre à une angoisse euh, existentielle que que, nous que que nous ressentons tous. En, en fait, euh, c'est euh, une tentation profonde de, de découvrir euh, le secret de notre présence euh, dans cet univers et le secret de la présence de l'univers dans tout ce qui peut exister cette tentation euh, elle ne sera jamais totalement euh, de comprendre cette volonté de savoir ne sera jamais totalement satisfaite parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va nous échapper d'ailleurs il y a un très très joli théorème qui a été découvert en 1931 par un génial mathématicien. Il avait 24 ans à l'époque, presque votre âge, Philippe, et euh, il s'appelait Kurt euh, Gödel. <laughs> le presque. A mixé hein. un peu les chiffres. <laughs> et, euh, et, et en fait, Kurt Gödel a, a découvert un théorème magnifique qui s'appelle le théorème d'incomplétude. Et ce théorème d'incomplétude. Euh, eh bien, il nous démontre que la connaissance que nous pouvons avoir du réel ne sera jamais complète. Donc, le code en question dont nous parlons, on ne le connaîtra jamais en totalité. Mais savoir qu'il existe, Philippe, savoir que ce code est là, c'est déjà un immense pas vers la connaissance. Et comme le disait Aristote, connaître, c'est être heureux. Donc, ça apporte du bonheur. Pour nous, qui avons découvert que ce code existe sans en découvrir la totalité, mais savoir qu'il existe nous a donné un immense bonheur que nous partageons Alors, avec nos lecteurs. Euh, bon, et, et, et si on découvrait votre code, est-ce qu'on ne serait pas très malheureux Mais je ne crois pas, parce que euh, rappelons-nous de ce grand mathématicien qui s'appelle David Hilbert, euh, c'est l'auteur d'ailleurs des 23 problèmes de Hilbert euh, en 1900. C'était un mathématicien génial. Et euh, il, il avait l'habitude euh, de dire euh, Nous voulons savoir. Et il rajoutait Nous allons savoir. Et il était tellement émerveillé, et autour de lui ses collègues l'étaient tout autant, par cette phrase qu'il l'a faite graver sur sa tombe. Euh, Lorsqu'on va sur la tombe de David Hilbert, on voit simplement écrit en allemand euh, Wir Wünsche wissen, wir werden wissen. Nous voulons savoir. Nous allons savoir. Mais je crois que c'est la volonté de savoir, c'est ça euh, qui est à l'origine du bonheur dont on parlait avec Lorsque Lorsqu'on décode un fragment, un élément de ce fameux code secret de l'univers, qui se rapporte à l'univers tout entier, ou bien qui se rapporte aussi d'une certaine manière, pour répondre à votre question, partiellement à chacun de nous, on se rend compte d'une chose, mais c'est peut-être la chose la plus importante c'est que l'univers a un sens, et que dans cet univers, chacune de nos vies a un sens. Donc nous saurons. C'est ça On saura. Merci beaucoup, euh, Igor et Grishka euh, Bogdanov, euh, à tous les deux. Donc, euh, le code secret euh, de, de l'univers euh, publié aux éditions Albin Michel. Euh, une enquête, c'est un peu plus qu'une enquête policière, c'est une enquête universelle. Et métaphysique. Que, et métaphysique, hein, et métaphysique. Parce que c'est une question qu'on se pose quand même depuis un, un, un certain temps. Mais ben on a l'impression que ça accélère. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. On s'approche. Ouais. Mais cela dit, on est tous à égalité devant les grandes questions. Donc, euh, il n'y a pas de discriminant. On ne se pose jamais de mauvaises questions. Parfois, les mauvaises réponses peuvent arriver. Mais ce qui est important, c'est toujours d'avancer en suivant le fil d'une question. Merci Grishka, merci Igor. Merci. Et, et ben on vous retrouve évidemment forcément pour un autre livre et pour euh, de nouvelles réponses à, à votre quête. Merci. merci. Merci, merci Philippe. Philippe.